Salut à tous les amis, c'est Loulor. On se retrouve pour cette troisième session dans cette partie en survival qui s'intitule I Will Survive. Précédemment, on a remplacé la bouse qui était sur cette maison par du bois, fait un petit enclos pour notre cher Piggy, récolté un peu plus de ressources. Aujourd'hui, c'est prévu qu'on fasse les fondations de la maison et en espérant avec un peu de chance. Excusez-moi, en espérant avec un peu de chance, la première pièce, histoire qu'on puisse au moins coucher dans cette maison. Alors, 2 petites minutes. C'est bon, on a un petit truc à régler. Hop, c'est bon, comme ça on m'abêtera plus. Ça c'est parfait. Du coup, maintenant il ne reste plus qu'à. J'allais dire manger, mais j'ai que ça à manger. Le truc, ça serait de ramener des vaches. Alors, je sais pas si c'est. Non, bah merde. Ah, fais chier. T'es pas prêt. Champignons, c'est bien beau, mais je n'ai pas de venimeux. Ça sert à. Venimeux. Si on n'en a pas, ça sert à rien. Bon, bah pour l'instant, je vais me nourrir de chair putréfiée. Et je vais essayer de me faire un élevage. Un élevage. Tout de suite, les grands mots. De vache. Hop, hop, hop. Allons les chercher. Bonjour. Toi aussi, tu viens. Merci. 4 vaches, ça devrait le faire. Bah, c'est bon, ils sont toujours 4. Et aussi l'avantage des slim balls, faire des laisses. Laisses très importantes. Quand on aura envie de ramener des animaux dissidents. Désolé, mes petits choux, mais je n'ai qu'un blé, donc ça sert à rien que je vous mette en extase, mais tout seul. Autant le faire avec une autre personne. Hop, du blé, du blé, du blé. Bah oui, il m'en faut. Bon, du coup, on va prendre plein de graines. J'ai dit plein. Hop. Hop, 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 hop. Super. 2. Alors, pour les fondations, on est un peu mal barré parce que déjà, si j'arrive pas à survivre, c'est un peu nul. Alors, je compte le faire en réaliste. Pas me laisser mourir pour avoir toute ma barre de faim. À part si vraiment à des moments ça devient trop critique. Mais je vais essayer quand même de se la jouer loyal. Ouais, bon, au final, j'en aurai eu que 5. Hop. On s'en fout. Hop, hop, pom, pom, pom. Ça, c'est parfait. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'ai de quoi. Non, j'ai pas. Non, il m'en manque un pour me faire un plastron. Ah non. Non, j'étais bon. J'en ai peut-être rajouté un de trop. Ouais, c'est bon, j'en ai rajouté un de trop. J'avais bien calculé. Si j'ai pu sur G. Oui, on voit mon petit. Ma petite armure en haut à gauche de l'écran. Et quand elle est abîmée, on voit aussi la barre de vie en dessous. Ce qui est assez pratique. Ouais, ça rend bien le pack de texture. Donc, hop, j'ai. Pam, pam, pam.
Ouh, la maison, là, faut vraiment que je me décide pour savoir où je la fais. Vraiment que je me décide. On va se dépêcher au maximum. Hop. Ici, elle serait pas mal quand même. À moitié dans la dune. Genre ça s'incruste là. Et Bamar sort ici. Non. Là, il n'y a pas assez. Du coup, faudrait limite qu'elle s'incruste là. En mode pilotis sur les arbres. Et... Ouais, ça serait possible. Par contre, pour les cultures, ça va être un peu dur. Ou je pourrais raser puis mettre les cultures ici. Ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Donc là, bah, pour le coup, je vais aller dormir. Histoire de passer la nuit. Et après, bah, je rase la montagne et je m'installe. Enfin, la montagne. J'enlève les arbres. J'enlève ce qu'il me faut et ce qu'il me faut pas. Comme ça sera fait. Merde, il y a du monstre. Hop. Comme l'intitulé dit, I will survive, I don't wanna die. Ah, t'es ralenti, mais si j'arrive pas à te taper, ça sert à rien. Alors, hop. Ah, tout ce que je redoutais. Un creeper si près de ma maison. Vérifie que j'ai rien dans le dos. Ah voilà, le truc qu'il faut pas. La bouffe qui est présente. Allez, 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 allez. Alors ce début de partie. Ben non, je pourrais pas dormir. Ça va me secouer. Chair putréfiée. Hop. Comme ça, je peux dormir et passer la nuit. Avec aucun risque de me faire agresser. Le dégât de chute, ce sera pas tout ça. Alors, hop. Okay, j'ai pile assez pour pas me régénérer. C'est génial. Le torchon à garder. Alors, j'avais vu un monstre par ici. Il était plus en haut. Donc, ah! Un slime. Alors, fais gaffe à pas tuer les vaches. Ça serait con. Ah, 12 boules, ça fait plaisir, ça. Ah là! Ah purée, l'araignée m'a surpris. Ouh. Je sais même pas pourquoi m'attaquer d'ailleurs. Il faisait jour pourtant. Bon bah voilà, hein, je suis full vie. Inconsciemment, mais je suis full vie. Donc, ça m'arrange, mais ça fait un peu con de se faire prendre dans un trou. Parce que t'es en train de tuer un slime, quoi. Hop, hop, hop. Donc, allons raser cette fameuse montagne. Bon, 9. Hop. Pam pam pam. Ce que je vais faire, c'est que là, vu que j'ai enlevé, je peux pas me permettre de laisser les arbres. Parce qu'en fait, si vous voulez, vu qu'ils sont collés,
Si j'en coupe que un, il y aura des feuilles qui vont rester parce qu'elles tiennent grâce à l'arbre qui est à côté, ça fera dégueulasse, puis j'ai la flemme de tailler. Donc quitte à refaire un arbre manuellement ou à replanter. De plus, ça me fera le bois pour la construction. Alors l'avancement, pilotis, c'est dans l'eau. Du coup, ça fera un balcon. Hop. Ça c'est fait. Ah. Ah! Petite balle. Ça rame un peu, désolé. Hop, hop, hop. On se dépêche. Parce que pour l'instant, j'ai rien fait de batifolant. C'est le début. C'est le début. Hop, hop, hop. Alors celui-là, je vais me permettre de le laisser, parce que je pense qu'il me gênera en aucun point. Alors ça, celui-là, j'étais obligé de les enlever. Par contre, la hache est bientôt morte. Mais heureusement. Alors on va essayer d'éviter de taper les feuilles avec. Parce que ça l'use. Parce que ça l'use. C'est bientôt l'heure, c'est bientôt l'heure. Malheureusement, déjà. Je tourne ça comme je peux. Alors, hop, en principe, il n'y a plus d'arbres. Ah, si, si, il nous reste encore des arbres. Enfin, un ou deux. Oh, j'ai eu une pousse bizarre, c'était quoi? Ouais, il y avait bien une pousse bizarre, hein. C'était peut-être ça. J'ai peut-être vu que l'eau, sans doute. Bon, on va finir à la main pour ce qui reste. On a environ à deux tiers de la vidéo. En fonction de comment ça se déroule, on fera peut-être 5 minutes plus longue que d'habitude. Alors, j'essaie de faire des vidéos de 15 minutes. Après, si ça fait 20, il n'y a pas bordel, quoi, mais. Pas trop courte vidéo ni trop longue pour le début. Alors là, faut pas que je m'emporte. Ah ouais, là si je la fais la maison en pioli et bam, ça ressort de la montagne avec une petite fenêtre. Ce sera peut-être moche, mais ça sera badass. Bon, le but c'est pas non plus que ce soit moche, mais si c'est cool, c'est tant mieux. Hop, ah une pomme, ce qui fait bien plaisir. Hop, hop, hop. Là, je monte, je monte, je monte. Ouais, je vais raser ça. Ah, raser. Ouais, c'est bien les pousses de. Ouais, c'est ça en fait. Quand elles sont pas dans l'inventaire, on dirait qu'elles sont plus. Ou les feuilles sont plus espacées. Mais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc là, on va essayer de pas mal se concentrer sur les vitres. Afin de n'importe où dans la maison, qu'on puisse toujours, d'une manière ou d'une autre, regarder dehors. C'est ce qui serait bien. Ouais, là, faut encore un croc. Décidément, ma pelle aussi va bientôt me lâcher. J'espère qu'elle va finir. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Elle finira pas. Et voilà, qu'est-ce que j'avais dit? À trois blocs près. Donc, bah voilà, c'est plat. Alors la maison, la maison, la maison. Ici, ça devrait être assez grand. Donc, bah, commençons la construction. Alors, hop. Il faut que je fasse un comme ça. Enfin, deux. Hop. Ça vaut pas le coup, là, si.
Ouais. Non, je vais faire un peu plus grand. Hop, les... Là, c'est bon. Hop. Donc là, faudra que je fasse... Allez, carrément un trou. Comme ça fera encore plus... Ouais, mais ça fera peut-être un peu trop prononcé. Ouais, peut-être un peu trop. Le mieux, c'est de laisser ça comme ça. Hop, 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 hop. Alors là, ça nous fait un espace de 4. 4, ça ferait une vitre 2. Ouais, ça va. Ça va, là je continue jusqu'au bout. Hop. Hop. Ah, la maison est quand même relativement petite pour l'instant. Donc là, l'entrée, ça va être 1, 2, 3, 4. Ah ouais, quand même. Petite dilemme, ça va être un peu trop gros. On va faire rester à 3. Je voyais la montagne un peu plus grande. Allez, c'est l'heure. Temps est déjà passé. Ça passe vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais finir au moins les poteaux de la fondation de la maison. Hop, et puis, attends, ceci, je fais ça comme ça. Si on reviendra là. Ouais, ça peut être bon si je... Ouais, ça peut se faire. Hop, fondation. Hop. Ça sera à enlever. Et de suite. Donc, hop, 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 hop. Ah voilà, parfait, je pense pas m'être trompé. Donc c'est en haut de cette montagne où siégera bientôt notre maison. Donc on voit déjà quand même ça un peu avancement. Ça paraît un peu petit, mais je projette de faire un étage et un sous-sol dans la montagne en elle-même. Et sur la droite de mon personnage, donc la gauche de votre écran, c'est prévu qu'il y a un balcon avec en dessous les cultures qui s'étendront sur le fond à droite derrière mon personnage. Bah, c'est tout pour cette session. Je vous dis au revoir. Salut les amis. Ciao.